Alors, on sait que Louis de Funès était un catholique très pratiquant. Est-ce que sur le tournage, il allait à la messe le dimanche? On le suivait pas. Voilà une question très. Je ne faisais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, il était très pratiquant, mais c'est lui qui a trouvé les idées de la bonne sœur en deux chevaux. Et c'est lui qui a fait cette fameuse scène dans Le Gendarme se marie. Il y a le curé qui vient chercher de l'argent pour la traiture, et il lui fait signe qu'il ne lui donnera pas l'argent pour la traiture. Mais on se moque de ce que l'on aime. Non, mais il était très pratiquant. Il était à l'église Saint-Roch assez souvent. Mais il était en même temps, tu me le confirmeras, il était très secret. Oui, c'est-à-dire que moi, c'est Michel Serrault, avec qui j'en ai longuement parlé, disait, mais bien d'autres m'ont confirmé, et Dieu sait si j'en ai rencontré avec ce partenaire, il partait, il rentrait chez lui. D'ailleurs, à Saint-Tropez, il n'était pas avec vous. Il y avait sa villa qui oui, était louée, cette fameuse villa que j'ai visitée. Oui. Et voilà, il avait une vie très secrète, tout ça organisé par Jeanne, qui veillait à tout, et qui l'a toujours fait, et qui s'est fait, après, malheureusement, elle, bien des ennemis dans le métier. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que, j'en parle encore récemment à Marseille, Jean-Marc Thibault disait, mais on ne savait rien. Mais c'est vrai. On ne savait rien sur lui. Très, la question, elle est pertinente, parce que c'est vrai, parce que, bon, je le sais, ne serait-ce que par son fils, et par les gens qui l'ont entouré de très près, et sa famille, mais il ne livrait rien, quoi. Je veux dire, même il a quasiment, à part Serge Corbert, il n'a invité personne au château, au fameux château du Cellier. Rue de Monceau, personne ne peut se targuer d'y être allé. Il l'invitait dans les restaurants à côté, et chaque fois, il mettait une espèce de barrière. D'où justement, soi-disant, sa mauvaise humeur, son irascibilité et son manque de gentillesse. Il était très inquiet. C'était un inquiet. Oui, il était toujours inquiet. Oui. Très inquiet. Peut-être qu'il n'avait pas de vie privée aussi. S'il se promenait dans la rue, peut-être l'ennuyer, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il se cachait pas, qu'il se préservait comme ça. Je pense que c'était une façon de se préserver. Mais si il pas dans la rue, peut-être que. Oui, c'était une façon de se préserver. Des gens qui sont pas sympathiques. Oui, il n'avait qu'une passion. J'ai entendu dire que dans l'avion, il y avait un monsieur qui s'était assis, c'est son fils qui avait dit ça, un documentaire. Oui. Il s'était assis à côté de lui dans l'avion, et il dit, ah ben vous allez me faire rire pendant tout le. Oui, ça c'est voilà, ça, je comprends mieux maintenant pourquoi je suis. Bien sûr, bien sûr. Oui, avec ma ministre.